dans le cadre d'un partenariat avec les marchés publics et l'entreprise Bionour qui livre les pommes et les poires dans nos restaurants scolaires, on est venu aujourd'hui faire une visite des vergers où poussent ces pommes et ces poires. On a pu faire un grand tour dans les vergers, voir les différentes espèces de pommes avec les enfants qui ont participé. Et ça leur permet surtout de se rendre compte qu'on peut avoir des fruits à proximité de leur ville, puisqu'on est ici en moins d'une demi-heure, que ce sont des fruits de qualité, qu'ils ont du goût, qu'ils sont juteux, et que c'est très important pour eux de pouvoir aussi cueillir et de se rendre compte que c'est les mêmes à la cantine. C'est une très bonne initiation au goût, surtout pour des petites maternelles. Qu'est-ce que nous avons fait ? Oui. On a ramassé des pommes après des poires. Toutes nos pommes, c'est de la lutte raisonnée, et en plus dans la région, donc vous mangez local et en plus sain, parce qu'on fait des pommes qui sont bonnes. C'est-à-dire que notre pomme n'a aucun traitement, c'est une culture raisonnée. Culture raisonnée égale aucun produit en contact avec le fruit, ni même avec la feuille. Si c'est en contact avec quelque chose, c'est avec le tronc, d'accord ? Donc le tronc, c'est au printemps. Forcément, au printemps, il n'y a pas de feuilles ni fruits. C'est ce qu'on appelle une culture raisonnée. Vous pouvez manger la peau.